Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 1, chapitre 4. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitch d'XP. Donc le code sera en description et en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code du glitch que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le 011107 3 0 2 4 5 7 8. Donc le code sera aussi également en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines parce qu'il s'efface toutes les 2 semaines. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Donc là, vous attendez tout simplement que la map se lance et quand la map est lancée, vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Après, si vous n'avez pas le temps d'attendre 10 minutes, ben, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, ben, attendez 10 minutes. Moi, c'est ce que je vais faire et on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai attendu un peu plus que 10 minutes, j'ai attendu 16 minutes, donc j'ai déjà gagné 8000 XP en attendant. Ok, donc là le glitch, je vais vous présenter. Donc déjà première chose, c'est que vous allez prendre un cramponneur qui se trouve en plein milieu de la map. Voilà, qui est juste ici. Ensuite vous allez sur la rampe de droite, qui est là. Et là vous allez construire, comme je vais le faire, hein, vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5 rampes, ensuite 5 plats, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 4 plats sur la gauche, 1, 2, 3, 4. Au bout du quatrième plat, vous avez un bouton Secret Room XP, donc vous interagissez avec, et là ça va vous donner de l'XP. Alors ensuite, le prochain glitch, il se trouve au spawn, enfin près du carré là, du carré respawn. Donc il faut construire une rampe sur le carré bleu. Donc voilà, comme je l'ai fait, il faut surtout pas toucher le bleu parce que sinon vous allez mourir. Donc vous construisez une petite rampe pour monter sur le carré. Ensuite ici vous allez construire à partir du deuxième carré bleu. Donc là regardez, un carré, deux carrés. Et là vous allez construire une rampe sur le deuxième carré. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là vous allez construire 10 rampes. 6, 7, 8, 9, 10 rampes. Ensuite, un plat, et là vous avez un bouton Secret Room XP, vous interagissez avec. Là, ça va vous donner encore de l'XP. Ensuite, vous allez prendre le véhicule qui est juste ici. Vous prenez le véhicule, le camion, et vous allez rentrer dans la box bleue qui est juste en face. Hop, donc vous allez dans le carré bleu vers la droite. Voilà, comme ceci. Vous collez bien le mur à droite dans le coin, vous collez votre camion dans le coin, ensuite vous montez sur le camion et là sur la ligne du milieu vous allez tout simplement sauter et là ça vous téléporte dans une pièce. Donc vous montez sur le canapé, vous montez dans le grenier et là au fond à droite il y a un bouton Secret Room XP, vous interagissez avec. Là ça va vous donner encore de l'XP. Alors ensuite vous allez reprendre un véhicule, donc vous prenez la voiture qui est juste ici hein, par exemple. Voilà. Et vous allez refoncer dans la box bleue. Et là, vous allez reprendre le camion. Et vous allez le placer de l'autre côté. Hop. Et vous le placez de l'autre côté, juste ici. Ensuite, vous montez sur le camion. Et là, normalement, il y a un bouton Secret Room XP. Donc, vous interagissez avec. Ça va vous donner de l'XP, encore une fois. Ensuite, le dernier glitch, je pense que... Ouais. Là, je vous ai tout présenté, il m'en manque plus qu'un. Le dernier, ah non, il en manque encore deux. Le dernier glitch, enfin l'avant-dernier glitch, il faudra créer une rampe jusqu'en dessous du spawn. Comme j'ai fait. Hop. Et il va falloir aller en dessous des réacteurs que vous voyez, les réacteurs avec la fumée là, avec le feu. Vous allez en dessous du réacteur et il faudra compter 1, 2, 3, 4, 5 murs à partir du réacteur, du dernier réacteur. 5 murs. Ensuite, vous construisez comme ceci et vous allez en plein milieu, ça vous téléporte dans une pièce. Alors ici vous allez devoir monter tout en haut, donc avec le cramponneur ben, c'est facile hein. Hop, voilà, vous montez en haut.
Ensuite, vous allez derrière. Et ici, vous allez devoir descendre là où il y a la petite image jaune. Donc, vous vous laissez tomber. Et ensuite, vous visez le petit bois qui est juste en haut à gauche de l'image jaune, comme ceci. Donc, voilà. Ouais, non, on va viser celui qui est juste en dessous. Voilà, comme ça. Ah, là, j'ai raté. Hop. Et vous retombez sur le petit bois qui est juste en dessous. Bon, par contre, là, c'est un peu galère. Voilà, là, j'ai réussi. Et vous interagissez avec le poster. Voilà. Ça va vous donner de l'XP encore. Et le dernier glitch, il se trouve sur le spoon. Donc là, j'ai raté. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites une rampe, hein, comme ceci, et vous montez jusqu'au-dessus. Décalez-vous bien sur la gauche pour pas que... Parce que si vous collez trop le spawn, vous n'allez pas pouvoir construire. Donc décalez-vous un peu. Et ensuite vous montez jusqu'au-dessus. Et même si vous avez votre cramponneur, vous allez pouvoir normalement vous accrocher. Parfait. Et quand vous êtes en haut, vous regardez au fond à gauche. Et ici normalement, voilà, quand vous allez avancer, vous allez être téléporté ici, dans cette grange. Donc là vous descendez... je crois que c'est ici. Si je me trompe pas. Ouais. C'est ici près du bac de foin. Vous avez un secret room XP. Vous interagissez avec. Et là, ça va vous donner encore de l'XP. Donc, c'est un premier glitch que je vous présente sur la chaîne. Je pense qu'il rapporte pas énormément d'XP. Hein. J'ai pris 3 niveaux. Donc, j'ai pris 8, 16, 24. J'ai pris 240 000 XP. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour un premier glitch, c'est plutôt pas mal. J'espère que les prochains glitchs que je vais pouvoir vous proposer vous rapporteront beaucoup plus d'XP. Mais bon, là, déjà pour un premier glitch. 240 000 XP, même un peu plus, hein, je suis à... Donc 247 000 XP exactement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao. Peace.